C'est un DEP de 1800 heures, donc étalé sur deux années. En première année, on voit toute la base des produits mécaniques, donc tout ce qui est outils à moteur pour travailler les jardins, les souffleuses, les tracteurs, des choses comme ça. En deuxième année, on tombe dans les véhicules récréatifs, c'est-à-dire moto, motoneige, VTT, moteur de bateau. Pour ce qui est de l'emploi, il y a une grosse demande pour mécaniciens de véhicules légers en ce moment. On a un domaine qui est assez grandissant, je dirais, le récréatif et tout ça. On a besoin de techniciens, ça, c'est prioritaire. Évidemment, bien, la personne qui sort avec un diplôme, bien, ils ont passé sur toutes les étapes, tous les véhicules qu'on vend, les gens à l'école les ont formés et tout ça. Fait que c'est sûr qu'ils ont un plus en partant versus un gars qui dit « j'ai joué sur mon véhicule tout terrain depuis que je suis jeune, j'ai réparé ma motoneige », mais il n'a vraiment pas de base, il a appris de lui-même. Viens faire ton cours, tu vas voir vraiment la grosse différence, parce que là, tu vas apprendre tout le bagage au complet qui va te servir pour plus tard, parce que là, oui, on se débrouille toujours à la maison, on fait des breaks, changement d'huile, c'est pas dur. Mais quand le moteur brise ou tu as un système de transmission qui brise, là, c'est important de vraiment être à l'aise pour être capable de le réparer comme il faut. Parce qu'il faut que ça soit sur la coche. C'est super le fun. Regarde, je suis là depuis 82. Je suis encore passionné, puis je pense qu'on a un paquet ici de passionnés, puis c'est ça que ça prend. Le matin, je me lève, j'ai pas de misère à me lever, puis je m'en viens ici avec le sourire d'en face. Mais, bon, c'est la mécanique, c'est ça, c'est ma passion. J'ai toujours aimé faire de la mécanique. Là, mais en plus, on apprend.